Et salut tout le monde, et ben voilà, on va essayer de se reprendre en main pour la énième fois avec les copains. Ils sont là, ils sont arrivés. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller en chier sur le vélo. Ça va être un peu plus dur et surtout de revenir après en avoir chié. Allez, ça part de là. Allez, c'est parti, j'en profite pour vous filmer un peu les collègues parce que dans pas longtemps on va plus les voir. On va rester qu'entre nous. Bon, elle commence à s'éloigner. On va arriver à la première montée. J'ai déjà mal aux cuisses. Donc on va y aller cool. Je les laisse partir, ça sert à rien d'accrocher de toute façon. On n'est pas en état. Faut que je me refasse les cuisses à mon rythme à moi, sinon ça serait contre-productif. Donc eh ben, on va y aller crescendo tranquillement. On va essayer d'arriver jusqu'à la première montée, l'objectif d'aujourd'hui, on verra après. Et puis au fil des sorties, ça s'augmentera tout seul, on verra bien. On part de très loin là. Bon, je pense que j'aurais pas pu partir de plus loin. Bon, on est dans le dur. En plus, ils ont pris une partie qui était un peu plus compliquée. On n'a pas fait de groupe encore. Donc, pour une reprise, quand il n'y a pas de niveau, ben, ça va être compliqué. Enfin bon, comme ça. On verra bien. Un peu deg, quoi. Allez, il nous reste, je sais pas si vous voyez au fond là-bas, tout ça à grimper. Ils sont un petit peu revenus me récupérer. Et histoire de me motiver un peu, ça fait du bien quand même de quand tu les vois venir te chercher. Et puis là, ils sont repartis devant. Puis on va la finir cette montée, on va la finir. Mal aux cuisses, mais ça va se faire tranquillement. On s'accroche en tout cas. C'est bon pour moi. Allez, on est presque en haut de la première montée, écoute. Toujours des paysages fantastiques autour de nous, ça fait plaisir même si on en chie, dommage on voit pas la mer, là. Il y a un petit peu de brume. Mais bon, on a de la chance quand même dans le coin d'avoir des vues magnifiques et ça aide. Eh ben quand même, fier de moi, ça avance pas vite mais pour l'instant ça avance, donc c'est toujours ça de pris, on s'accroche. Allez, un petit peu de descente. J'ai un DFCI, mais c'est pas grave, on prend quand même. Ouh, cool. Hey. Il y a David, j'y ai fait une éclipse, il a pas vu la route. Ah. Il m'a dit, t'as le cul comme la porte d'Italie. Allez, ça pédale tranquillement, ça monte toujours mais moins raide. Et hâte de choper la première virée descente. Parce que bon, c'est quand même pour ça qu'on vient aussi. Pour s'amuser un petit peu en descente. Il va falloir retrouver ses marques, mais on va rigoler. Allez, ben il me gâte. Nouveau parcours jamais fait en montée, petite drague qui pique les cuisses. On verra bien ce que ça va donner en descente. Ah, et bouchon. Ah, ils avancent pas. Tu vois, moi j'étais bien parti là, mais voilà. Bon ben, descend un petit peu du vélo. Hein. Normal. Ouais, je sais pas si c'est parti pour la descente. Ça a l'air pour une reprise, c'est raide.
pour se remettre en jambe. Là tu vois que t'as plus de muscles, j'ai déjà les crampes dans les cuisses, mal au bras. Je viens à peine de commencer. Oh, elle était bien sympa. C'est moi qui suis pas à l'aise et c'est tout. Ah, je suis pas à l'aise. Oh, je suis décroché. Fatigué. Ouais, mon poulet. Vas-y, fatigué, j'arrive pas. Bon, elle est un peu déçue de moi là quand même, mais tant pis. Des fois, faut savoir pas se mettre en danger quand on le sent pas. Même si on a déjà descendu auparavant. Allez, ça remonte dur, on va en chercher une autre de suite, pas le temps de se remettre. Ouh. Ça pique les enfants. Allez, ça part de là. Celle-là aussi elle est sympa. Bon, je suis un peu moins précis, je parle pas beaucoup là parce que faut que je me concentre. Trop bas. Fatigué. J'arrive pas à lâcher les freins. Ça, c'est pas bon quand t'es dans du raid. De crampes aux jambes. Ah, j'arrive même pas à tenir debout. Pourquoi j'en peux plus? Je suis out. Hors jeu. Ça va bien.
moins pentu. Oh. Allez, on a pratiquement fini. Bon, il y en a encore un peu. Moi, est-ce que je me sois trompé de route? Non, ça va. Oh purée. Oh, j'en peux plus. Il y a encore Baba derrière. Bon, pour une reprise, ils m'ont gâté. Je peux pas dire le contraire. Maintenant, ça va monter long. Là, je suis un peu dégoûté, mais c'est comme ça. Encore une petite descente. Oh, je peux pas dire ce que ça va remonter derrière. Le tour qui tire. Super joli en tout cas. Tellement fond que ça descend. Pire que les montées. J'ai les cuisses, hein. Ça y est. Même du mal à tirer. Et il va falloir remonter. Allez, on serre les dents. Bon, ben ça y est, ça monte. J'en ai fait un petit peu sur le vélo et je suis descendu. Je commence à avoir une crampe en plus. Ça va être compliqué. Bon, c'est très très compliqué là pour les cuisses. J'ai des crampes, ça monte pas beaucoup en plus. Et on est loin d'en avoir fait beaucoup. C'est ce qui m'inquiète là. J'espère que je vais pas faire un arrêt buffet en plein milieu là, parce que je sais pas comment je rentre. Mais sinon, écoute, le mental il est quand même là. Je suis pas dégoûté. J'ai envie, mais là c'est physique qui est pas du tout là. On va filmer parce qu'avec la fatigue que j'ai là, ça se trouve, il va y avoir un bêtisier. Oh. Non, ça va. Bon, là, on va remonter à pied. Hein. Bon, l'heure est grave là. C'est du roulant. Je suis descendu du vélo. Je suis cuit. Qu'est-ce que tu vas faire? Dur, dur la reprise. On s'accroche, mais là je suis au bout. Et pourtant on n'a pas fait énorme. Hein, fait... Enfin quoi que c'est, pour moi là c'était une sortie reprise. On a fait 18 et 454. Je pense que on a pas fallu plus là. Donc maintenant ben, on est en bas. Il faut remonter avant de pouvoir redescendre, basculer de l'autre côté. Donc ben, on va faire au mieux les enfants. Et puis voilà. Allez, on monte en élec. Même là, j'ai mal aux cuisses. Bon, c'est la dernière montée. Après, on est sauvé. Merci à mon Alain. Il est juste devant. Il a mon vélo. Merci, merci. Allez, on leur dit aux voitures. Moi, c'est bon. Finito, pipo, basta, cosi. On va se prendre la DFCI par où on est monté là tout à l'heure et tranquillement on va faire dérouler jusqu'en bas. De toute façon là je suis plus assez lucide pour me taper une descente. Et tu sais quoi, ça sera déjà très 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 bien.
un petit 18 km pour 440 mètres de dénivelé en musculaire, c'est très très bien pour une reprise. Allez, on se retrouve aux voitures. Bon, ben sortie finie. Heureusement que les copains ils sont là pour motiver. Et ça fait du bien. Je suis content de moi parce que tu vois, je ne me suis pas énervé. Ça a été très dur physiquement, mais je ne me suis pas énervé. Et j'ai encore envie d'en refaire. Donc c'est très très bien. Donc il n'y a plus qu'à essayer de faire des efforts sur l'alimentaire et puis à s'accrocher. Allez, bon week-end les amis.